Les enfants extraordinaires. Bonjour les amis, surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater de toutes nos prochaines publications. Il était une fois, dans la forêt enchantée de Fairybois, une petite fée nommée Olive. Olive était spéciale, car ses ailes étaient d'un éclat doré, brillant comme les premiers rayons du soleil. Elle vivait dans une petite maisonnette au creux d'un vieux chêne, entourée de fleurs aux pétales chatoyants. Un jour, alors qu'Olive cueillait des baies sucrées pour son petit déjeuner, elle entendit des pleurs étouffés. Elle suivit le son jusqu'à un buisson dense, où elle découvrit un petit lapin blanc, pris au piège dans un filet de chasseur. Ses grands yeux noirs étaient emplis de terreur. Ne t'inquiète pas, petit lapin, murmura Olive en utilisant sa baguette magique pour libérer le lapin. Je suis Olive, la fée dorée, et je vais te sauver. Le lapin tremblant la regarda avec gratitude. Merci, Olive. Je m'appelle Pompon. Olive sourit. Enchanté, Pompon. Maintenant, promets-moi de ne plus jamais te laisser piéger. Pompon hocha la tête et s'enfuit dans les buissons. Olive continua son chemin, mais elle ne savait pas que quelqu'un d'autre l'observait, un rusé renard nommé Roublard. Roublard était connu pour ses tours pendables et ses ruses sournoises. Il avait repéré Olive et décida qu'elle serait sa prochaine victime. Il se cacha derrière un arbre et attendit qu'elle passe. Quand Olive arriva près d'un ruisseau, elle entendit des gémissements. Elle se pencha et découvrit Roublard, la patte prise dans un piège à mâchoire. Le renard grimaça de douleur. Olive hésita. Roublard était son ennemi, mais elle ne pouvait pas le laisser souffrir. Elle utilisa sa magie pour ouvrir le piège et libérer la patte du renard. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda Roublard, surpris. Olive sourit. « Parce que c'est ce que font les fées dorées. Nous protégeons toutes les créatures de la forêt, même celles qui nous veulent du mal. » Roublard baissa les yeux. « Je suis désolé d'avoir été si méchant avec toi. » Olive tendit la main. « Trêve de guerre, Roublard. Ensemble, nous pouvons rendre Fairybois encore plus magique. » Et depuis ce jour, Olive la fée dorée et Roublard le renard rusé devinrent les meilleurs amis de la forêt, veillant sur tous ses habitants, petits et grands. Et c'est ainsi que l'amitié triompha dans la forêt enchantée de Fairybois, grâce à une petite fée au cœur d'or et à un renard au cœur transformé. Les enfants extraordinaires. Bonjour les amis, surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater de toutes nos prochaines publications.